Hudson est en train de me supplier de ne pas la filmer en peignoir avec son t-shirt tortue géniale. C'est le sex appeal. On va appeler ça comme ça. Vas-y, viens, montre ton sex appeal. Je parle pas de celui qui est dans ta table de chevet, de sex appeal. N'importe quoi. Tu vas me faire passer pour quoi? Pour une meuf qui a un sex appeal. Oh, c'est pas vrai, en plus. Oh my god. Un spectacle avec des gosses. Vous en rêviez. Roxane l'a fait. Tenue légère, décontractée. La Dominique Strauss-Kahn du 5-9. Bon. Asseyons-nous, discutons. Je suis en route pour me faire vacciner. La troisième dose. J'avais dit qu'il en faudrait deux, il en faut trois maintenant. Je comptais pas la faire parce que tout le monde ne l'a pas fait. Je suis plutôt pour la solidarité vaccinale, etc. Je vous fais une petite parenthèse. Comment vous expliquer que maintenant ils veulent l'étendre aux enfants de 5 à 11 ans? Peut-être que ce sera acté quand la vidéo sortira. Moi, il faut qu'on m'explique parce que je suis quelqu'un d'assez... C'est simple d'esprit, on va dire. Le vaccin nous permet de ne pas faire de forme grave du virus, ce qu'on nous dit. Donc en gros, je peux l'avoir, le transmettre, mais ce ne sera pas grave. Pourquoi pas? La plupart des jeunes comme moi, jeunes, je suis plus si jeune, hein, j'ai plein de cheveux blancs, ne font pas de forme grave, donc on peut quand même le transmettre. Donc la priorité, c'est pour les vieux. On le fait pour dire de retrouver un semblant de liberté. Le problème, c'est que les enfants ne font absolument pas de forme grave, mais pas du tout. Il y a eu des enfants peut-être qui sont allés en réanimation, qui avaient des pathologies lourdes, etc., qui avaient des problèmes respiratoires. À cela, pourquoi pas? Parce que nos enfants vont se faire vacciner, vont pouvoir l'attraper, vont pouvoir le transmettre. Mais ils ne feront pas de forme grave. Mais dans tous les cas, ils ne font pas de forme grave. La question, c'est pourquoi les faire vacciner? Là, vraiment, il faut qu'on m'explique. Je pense que déjà, ce gouvernement faisait n'importe quoi. C'est pas de la politique. Je parle au niveau communication. Mais là, ça suffit. J'en peux plus de ces gens. On se retrouve dans la merde à faire vacciner nos enfants parce que des adultes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, ne se font pas vacciner et se retrouvent en réanimation. Des vieux, en plus. Je parle pas des faux certificats de vaccination, des choses comme ça. En gros, c'est comme si demain, il y a une guerre, puisque Macron a dit ouais, nous sommes en guerre. Nanana. Il y a une guerre, il y a des adultes, qu'est-ce qu'ils font? Oh non, c'est trop dangereux les armes. Envoyez les enfants au front. C'est bien les gars, vous avez des couilles, c'est comme ça que ça marche. J'aimerais pas qu'il y ait vraiment une guerre, hein. Me retrouver avec des gens, non, les enfants, les femmes et les enfants de 12 ans d'abord, hein. Nous, non. Oh, moi, il y a une guerre, j'ai vu. Bref, bon. Parlons de choses plus joyeuses, plus sérieuses. Je me suis acheté un nouveau sac à dos. Disons que j'ai pas mal de sacs à dos. On avait bossé avec Ispa qui nous avait filé des trucs cool. Mais je voulais un sac avec un cul dur. Alex, il aime bien les culs durs. J'aime bien les culs durs, moi. Je suis pas Kardashian, non. Les trucs tout flasques là qui se déforment. Oh, ouais. C'est pas pour moi. Je vous le mets en grand angle. Voilà, donc j'ai une poche là pour mettre tout ce qui est... On va y arriver. Portefeuille, stylo, etc. Là, j'ai un truc pour mettre mes cahiers avec mes plans de travaux. Derrière, j'ai une poche ordinateur. Ça saute. Cool. Et là, hop, normalement, c'est fait pour mettre des outils, hein, ce genre de truc. Je peux quand même mettre des outils, des... Comme ça, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des câbles de PC, enfin d'ordi. Et donc, voilà, je voulais un sac à dos qui soit pratique, super solide. Pour emmener sur le chantier, pour mettre ma caméra avec un fond très dur, mettre mes accessoires, tous mes trucs comme ça, et que ce soit du costaud. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un peu un tour des outils que j'utilise, parce que j'en discutais avec un pote il y a pas longtemps qui est passé dire bonjour, qui me disait t'es super équipé et tout. Mais oui, en fait, j'ai commencé à retaper ma première maison, c'était en 2012, donc ça fait 10 ans. Au fur et à mesure, on accumule des outils, on s'équipe et tout le tralala. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, on ait des outils. Et c'est souvent ce que je dis en fait, un outil, s'il me fait gagner du temps, ça me dérange pas de dépenser de l'argent parce qu'au final il me fait gagner de l'argent. Parce que si je termine un appartement plus vite, les loyers rentrent plus vite. Des bons outils, ça me fait gagner un mois par-ci, un mois par-là, bah, 400 balles par-ci, 400 balles par-là. Donc acheter un bon outil à 400 balles qui va me faire gagner un mois de loyer, je sais pas moi, une bonne scie pour le parquet, si ça me fait gagner du temps, bah, je gagne de l'argent. Donc ça me dérange pas de m'équiper. Je me prends moins la tête parce que le travail est plus facile. Et par exemple, des perceuses pro, bah, oui, ça m'évite de les ramener en SAV, de me taper à l'ancienne pour, par exemple, le Roi Merlin, de ramener, d'aller rechercher de ci, de là, d'être immobilisé et tout. Donc, outils pro maintenant. Bon, il va être l'heure. Oh, bah, je dis ça, j'ai pas mis ma montre. Bon, il va être l'heure, oui. Je vais me faire tatouer une montre. Il va être l'heure et je vais aller me faire vacciner. Je vais prendre mon Doliprane. Chérie, puis-je avoir un Doliprane, s'il te plaît? Un 1 giga, hein. Pas un 500 mini giga. Doliprane 1 giga. Peut-être un gramme, je sais pas. Et voilà, on retourne sur le chantier. Nouveau sac, bien sûr. Allez.
pensé ça, mettre en grand angle. Là, en gros, maintenant, il y a l'escalier. Parce que figurez-vous que c'était un peu haut pour pouvoir le recouvrir après par du plan de travail. Donc, j'ai dû enlever les demi-bastins qu'il y avait. Donc, ensuite, je vais les rabaisser un petit peu. Je sais pas comment. Bon, je vais faire encore, mais hésitez à mettre une rampe de pompier ou un truc cool, un truc fun pour se marrer. Mais je sais pas, finalement, j'hésite parce que la belle-mère, ça risque de pas lui plaire. Elle a moins d'humour que moi. Voilà. C'est l'heure de la pause. Bon, hier j'ai fait ma troisième. J'étais un peu... comment dire, sur le coup j'étais bien, j'étais en pleine forme, on aurait dit qu'ils avaient mis de la cocaïne dans le mélange. Et au fur et à mesure de la journée, ça a dégringolé. Ce qui fait que je me suis retrouvé le soir, on est allé chez McDo pour faire plaisir aux enfants. Je me suis retrouvé complètement KO. Et alors au moment d'aller se coucher, je tremblais, je grelottais, j'avais les dents qui claquaient, on aurait dit des castagnettes dans le lit. Après en pleine nuit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait que me retourner, je transpirais. On aurait dit que j'avais pissé au lit tellement le lit était trempé. C'était vraiment mal. Ce matin, Rox est allé mettre les enfants à l'école. Parce que j'étais pas en état de le faire. Et je me suis levé tranquillement, j'ai pris un Spiffen et c'est à peu près redevenu normal. Bon, je suis pas aussi vif que d'habitude, mais je me suis dit je vais quand même aller bosser. Et là, ça commence à aller mieux. J'ai toujours envie de vomir, mais voilà. Ils aillent se faire. Regardez-moi cet alignement. Vous voyez, hop, on voit par-dessus ou pas? On voit à peu près, comme ça on se rend à peu près compte, encore plus flagrant à l'œil nu. L'alignement du truc, on est nickel. De toute façon, quand on le fait au laser, en général, on se trompe rarement. Une fois que les semelles périphériques sont posées au laser, c'est très facile, il n'y a plus qu'à enquiller. Donc fatalement, comme il y a une bonne portance et que les montants ne cintrent pas, fatalement, vous êtes de niveau. Donc voilà, c'est très bien, il m'en manque 6 à mettre. Et après, je pense que je vais faire une pause, je vais aller manger. Mais très content, après, il n'y aura qu'à passer l'électricité par-dessus. Sachant que au-dessus de ça, il y a du plâtre et l'isolation dans la soupente, donc il n'y a pas besoin de mettre d'isolation là. Bref, je suis content, ça avance bien. Malgré mon truc, je marche un peu au ralenti hein, sur le chantier, je suis beau, beau, beau. Sinon, chose que je suis très content, après mon sac à dos, j'ai reçu mes nouveaux pantalons de travail LMA. C'est une marque française, donc c'est plutôt cool et c'est vraiment qualitatif. Tout ça, je vais vous mettre des liens en dessous de ma vidéo. Comme ça, vous pouvez retrouver certains outils, certains trucs que j'utilise, le sac à dos, quoi d'autre, mon laser vert. Il y a plein de trucs qui sont indispensables, que ça vaut vraiment le coup d'investir. Bon, les fringues de travail, ça fait partie du truc parce que j'aime pas arriver comme un touriste et sur un chantier en jogging ou quoi, ça va pas. Ça va pas. Là au moins on est sur des trucs, on se prend des éclats, des trucs comme ça, c'est solide. Je suis toujours en chaussures de sécurité aussi. Depuis que je me suis planté un gros clou dans le pied. Toujours en chaussures de sécurité, celles-ci c'est des... hop, c'est des Caterpillar. J'avais vraiment l'habitude de les défoncer les chaussures de sécurité. Mais ça, ce modèle-là de Caterpillar, parce que j'en ai défoncé aussi des Caterpillar hein, chez Leroy Merlin. Qui venait de chez Leroy Merlin, c'était le Spiro je crois le modèle. Et bon, c'est... quand elles se défoncent en moins d'un an, les chaussures de sécurité, étant donné qu'elles sont garanties, s'il y a une couture qui lâche, vous les ramenez, on vous les change. C'est logique parce qu'elles sont faites pour durer au moins un an. Bref, celles-ci ça doit faire 2 ans que je les ai. Bon, elles sont plus garanties mais... elles encaissent. C'est des trucs tout cons auxquels on pense pas forcément, mais après, vous les ramenez, c'est tout. Le magasin dans lequel vous les avez achetés tire leur plan avec le fournisseur, ils se font rembourser. Il hein. Faut pas avoir forcément de scrupules à faire ça. Ils vont dire oui, c'est pas bien, mais peu importe. Hein. Vous vend un truc qui doit durer un an, s'il dure 6 mois, il est déjà craqué, ça le fait pas. Bref, je vais aller découper ça, les derniers à mesure, et je vais manger. Petit contretemps du jour, il faut que j'aille déposer mon Vito, c'est-à-dire la voiture que je conduis, mon utilitaire de société, chez Mercedes pour faire l'entretien. Déjà, alors combien? 38 000 km. Voilà. Et je ne l'ai pas acheté il y a super longtemps. Peut-être un an et demi quand même. Bref, petit contretemps, donc voilà.
comment perdre du temps, même si c'est des choses nécessaires, c'est des choses très pénibles. Et autre petit contretemps, il faut que j'aille, en fait j'ai acheté des garages, pas pour moi mais pour faire de la location. Les garages, c'est une chose, on fait ça, ils sont loués. Enfin chez nous c'est comme ça, et ça se loue très bien. C'est des grands garages dans lesquels on peut mettre deux voitures, deux petites voitures ou un gros utilitaire, genre un sprinter ou des choses comme ça. Ils font 8 mètres de long sur 2,50 mètres de large. Donc voilà, ça se loue tout seul. Porte métallique, électrique, enfin la totale, et je vais installer des lumières, une minuterie avec détecteur de présence, des dalles de béton au sol et tout, on n'est pas sur du truc de à 10 balles quoi. Autre contretemps, je fais ça et après je retourne au chantier. Bon, j'ai perdu un temps fou aujourd'hui entre l'électricité dans les garages et tout ça, du coup j'ai pas beaucoup avancé sur les rails. Par contre, d'un bout à l'autre de la pièce, à l'autre bout, on s'est mis pour avoir les plafonds à 2,50 m. Et là, regardez, si on prend, étant donné que tous les trucs sont de laser, il faut que j'enlève 3,1 cm. Ça veut dire qu'il y a une pente de 3,1 cm sur 11 mètres. C'est assez énorme, les mecs qui ont fait la chape de béton ont dû bien se marrer. J'avais l'air au lieu de te marrer. Je pense qu'ils bossaient pas beaucoup. Bon, donc voilà, donc en gros ça fait pas une pente. Normalement une évacuation c'est 1 cm par mètre, ça voudrait dire qu'il y a 11 cm, là il y en a 3, ça fait grosso modo une pente de 2 mm par mètre, que ça, presque 3 mm par mètre, ouais c'est ça, 3 mm par mètre. Si on renverse de l'eau, ça va couler, non. Bon voilà, c'était la petite affaire du jour. Dans les années 60, on travaillait pas au laser, mais maintenant, ça mériterait un pompon cucu.